Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une jolie petite lettre. Donc c'est une méthode plutôt chouette. Voilà, donc vous avez vu, vous l'ouvrez comme ceci, puis il y a assez de place pour une petite, pour écrire une petite lettre. Alors bien sûr vous avez besoin d'une feuille d'origami, donc voilà, avec des deux côtés des couleurs différentes, c'est mieux, donc d'un côté avec des motifs et l'autre sans. Voilà. Et il faut vraiment que le papier origami soit carré. Donc là j'en ai un là, donc à pois, coloré en rose. Donc je vais vous montrer. Donc, pour commencer, donc on plie, coin sur coin, en deux, comme ceci, sur la diagonale. Et donc là, pareil pour les deux autres coins. Donc voilà, là c'est plié. Voilà, donc on continue comme ça, là on plie de cette manière, ça fait une petite ouverture comme ça. Ok, donc là on fait encore un petit pli. Ok, donc là c'est super, donc maintenant on continue pour de l'autre côté. Voilà. Donc là je fais pareil hein, comme de l'autre côté, donc et là donc je vais plier comme ceci. Vous avez, faites attention, bon, c'est une opération un petit peu délicate, mais vous inquiétez pas, voilà, ce n'est pas compliqué. Voilà. Bon, parfait. Et voilà ce que ça donne, donc le résultat. Donc après vous avez vu, bon bah l'ouverture est géniale. Voilà, donc là ici on a voilà, différentes parties. Donc vous pouvez encore coller un petit autocollant comme vous voulez. Et après vous tirez, hop, comme ceci. Et ça s'ouvre facilement. Et on peut découvrir donc la petite note, le petit mot qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc c'est super mignon, c'est super original. Voilà, donc on peut écrire un joli petit, un petit message super mignon. Voilà, donc c'est terminé. Donc là, j'en ai différents, donc différentes tailles, différentes couleurs. Voilà, donc après, bon, mais là, il y a une petite chouette. Ici, on a un petit sticker avec un avion en papier. Voilà, donc ils sont sympas, elles sont grandes. Et puis, voilà, donc il y a plusieurs possibilités, comme vous avez pu le constater, au niveau de la fermeture. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Laissez des commentaires, hein, surtout n'hésitez pas. Regardez nos autres vidéos également. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que vous appréciez donc les vidéos au Grégami. N'hésitez surtout pas à aller regarder les autres également, parce qu'on a vraiment un bon stock de vidéos en origami, mais aussi des vidéos challenge, des tests. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut !